fonctionnable. Vous recevez votre prix et après on vous arrachera un petit mot avant de quitter la scène, Sa Majesté. Et d'abord. C'est sur votre passion, mesdames et messieurs. Le prix JLC Académie mérite à Sa Majesté, à 462, Didier Lebeau. Merci. C'est vrai que ça nous a manqué depuis tout à l'heure. Merci encore d'être là. Alors, Sa Majesté, nous allons vous arracher un petit mot avant de quitter ce podium. Et c'est une grande chance, je vous disais tout à l'heure, de vous avoir dans cette salle et surtout vous illuminer cette journée, parce que c'est la journée culturelle et quand on parle de culture, vous êtes les premiers concernés, je vous tends mon micro. Je vous remercie. Permettez qu'en ce moment, je puisse dire et libérer un léger poids que j'ai sur mon cœur que depuis hier, n'est-ce pas, je t'étais l'occasion de le décharger. Alors, ainsi me soit donné l'honneur en cet instant. Je voudrais avant tout propos dire d'abord merci. Je voudrais dire merci à celui qui a permis que je sois là, que nous soyons là pour ce prix. Mon second merci va droit à mon président, à mon frère, à mon ami et à mon proche. Je voudrais nommer ici Monsieur Haïté John Dussay. Mon troisième merci va tout droit à son honorable, le professeur Edmond Placé. Et je vous prie de m'assurer. C'est vrai, il est souvent surpris, tant qu'il peut, quand chaque fois on le prononce. Et comme l'avait dit quelqu'un ce matin, on ne le touche pas. On le vit. Et c'est l'occasion de dire merci à tous ces organisateurs qui ont œuvré de près et de loin pour que cette journée et que ce prix soit discerné. En réalité, nous sommes les méritants, dit-on. Vous les méritez aussi, et je me permets de vous le dédier. Je vous le dédie à ce titre parce que vous êtes là, et vous avez apporté, n'est-ce pas, votre contribution à cette réalisation. Mais puisque nous sommes sur une terre, nous sommes sur la terre marocaine, je voudrais dédier en même temps ce prix. Étant donné que les réalités ne sont pas les mêmes, et nous avons tendance, comme l'a dit le professeur ce matin, dans son allocution, dans sa présentation, on confond les choses. Nous restons fiers, Tobi Akati de Chichilevo, depuis 38 ans d'intronisation. Et je crois que
pour ceux qui connaissent Wati Kome, le Bénin, ils peuvent en dire quelque chose. Et si Sa Majesté Mohamed VI était là, j'imagine un peu à quel niveau on le mettra. Alors nous sommes de la royauté, un roi qui vient dans un royaume. Quand bien même ce n'est pas de la même proportion, il y a le politique qui s'ajoute et il y a le traditionnel de l'autre côté. Il est quand même important de faire révérence au chef des rois et au ancien roi, dit roi, qui est pour ce royaume. Donc je dédie en même temps ce prix au roi Mohamed VI et au Maroc. À tous les Marocains, je leur dédie aussi ce prix, parce que nous l'avons obtenu ici au Maroc et à Rabat. Sans oublier le maire, madame le maire de Rabat, qui était avec nous ce matin. Et pour finir, je rendrai compte et fidèlement au peuple béninois, au peuple togolais et au peuple ghanéen de ce prix. Ça fait du chemin. Le Covid a voulu changer les choses, mais nous avons eu raison de ce fléau. Et aujourd'hui, on a pu réussir à obtenir ce prix et cela a été distribué. Je voudrais vous dire merci, merci. Et que Dieu, Allah, le Créateur, nous prête vie et qu'il nous comble, chacun ici présent, de toutes les grâces nécessaires dont nous avons besoin pour que l'année prochaine, la GMCA puisse, et les membres du jury puissent revoir et réorganiser, n'est-ce pas, d'autres prix pour d'autres méritants. Je ne saurais finir sans dire merci à la CG, bien-le. Cette institution qui a beaucoup fait et qui a beaucoup œuvré pour que la GMCA puisse avoir lieu ici au Maroc. Non seulement ici, qui est dans l'ombre, la CGUL que vous connaissez bien, qui est dans l'ombre avec sa tête, qui œuvre dans l'ombre. C'est pour dire que tout ce que nous voyons à la télé, il y a à peine une ou deux personnes dans l'ombre qui les émettent à partir d'une table de message. Mais vous vous imaginez de combien de personnes les regardent. Alors sachez qu'il y a des gens dans l'ombre qui travaillent. Qui travaillent. Je remercie l'UNESCO et les représentants qui sont ici de l'UNESCO. Et je remercie tous les partenaires, les collaborateurs de la GMCA sur toute la planète. On ne saura citer tout le monde. Et je vous remercie aussi. Merci pour la journée, merci pour la soirée et merci pour la continuité. Vive la CGLU, vive l'UNICEF, vive pardon, l'UNESCO, vive la GMCA, vive le Maroc et vive Rabat. Je vous remercie. Merci, Sa Majesté. Avant de vous accompagner, merci encore à vous.